Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Reporters sans frontières, mais aussi des journalistes sur le terrain en Ukraine appellent à la plus grande prudence. De plus en plus de reporters sont pris pour cible et risquent leur vie chaque jour. On en parle avec la grande reporter Maryse Burgot et le GRI qui l'accompagnait en Ukraine, Stéphane Guillemot. Ils sont rentrés hier d'Ukraine où ils ont passé 3 semaines. Merci à tous les deux pour votre présence ce soir. Patrick, votre édito ce soir. Je vais vous parler de ces oligarques russes qui se font piquer leur yacht mais qui continuent de trembler face à celui qui a fait leur fortune, Poutine. Mohamed, votre story du jour. Un rapport de 2 sénateurs explique que le modèle de la SNCF va dans le mur. Alors on a donné la parole aux Français et on a décrypté ce rapport. Deux sujets que l'on soumet ce soir à l'économiste Daniel Cohen. Mathieu, dans le 5 sur 5. De nouvelles émeutes hier soir, de nouvelles manifestations aujourd'hui en Corse. La Corse en colère une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison. On va parler de la situation corse ce soir avec la journaliste qui connaît très bien la question, Ariane Chemin du Monde, qui sera avec nous. Et Pierre, dans votre œil. Le ciel de Nantes, c'est la pièce écrite et mise en scène par Christophe Honoré qui vient de démarrer. Formidable pièce qui vient de démarrer au théâtre de l'Odéon. Je vous en parle tout à l'heure. Je vous dis pourquoi il faut y courir et pas seulement parce que Chiara Mastroianni fait ses débuts au théâtre. Mais c'est une excellente raison déjà. En plus. Nos invités du dîner ce soir, Jane Birkin, heureuse de retrouver la scène, et l'écrivain star Joël Dicker qui nous passionne avec son dernier roman, L'affaire Alaska Sanders. Rendez-vous après 20h. Mais d'abord, la guerre en Ukraine qui entre dans sa 3e semaine avec des images, Mathieu, qui ont choqué le monde entier. Oui, ému le monde même, le bombardement de la maternité de Mariupol au sud du pays. Et je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Russie auprès de l'ONU. C'était lundi soir. Il annonçait presque l'attaque. Forced out the staff of a maternity clinic and then put a firing site in that clinic. They also completely destroyed one of the nursery schools in the city. C'est le moment de l'explosion, hier soir. Произошел авиаудар недалеко от родильного дома на данный момент. Оказываем помощь. Point de base nationaliste ukrainienne, mais des enfants de cet hôpital pédiatrique, des femmes enceintes évacuées sur des brancards dans cette ville stratégique du sud du pays déjà assiégée, pilonnée depuis plus d'une semaine. Нет тепла, света, воды, газа, связи. Собственно, нет ничего, никаких бытовых условностей. Всю воду собирается с крыши, под дождя, родники. On parle de 3 personnes tuées dans cette frappe à Mariupol hier, dont une fillette mise en scène pour l'armée russe. Le président Zelensky dénonce, lui, des crimes de guerre. Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Що це за страна така, Російська Федерація, яка боїться больниць, боїться роддомів і уничтожає їх. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Même démarche du côté de son épouse, qui vit cachée elle aussi en Ukraine et qui, dans une lettre ouverte aux médias du monde entier, dénonce les morts civiles du conflit. Le maire de Mariupol parle de plus de 1200 morts civiles depuis le début du siège, il y a 9 jours seulement. Les morgues sont débordées. À Mariupol, on enterre des civils et des soldats à la hâte dans des sacs jetés sans cérémonie dans des fosses communes. Il faut le voir pour le croire, et le symptôme de cette guerre, cette conversation entre un père et son fils, le père côté russe, le fils en Ukraine, clairement, ils n'ont pas le même niveau d'information. I told him that we woke up from the bombing. He started to argue. He said, "No, no, no. Everything is not like this." He told me that Russia started like a pistol operation and they're trying to save us from the Nazis regime. He just could not believe in this. Le défaut d'information côté russe toujours, une guerre de communication aussi. Les Ukrainiens ont mis en place un numéro d'appel pour les familles de soldats russes à la recherche de nouvelles. On сказал вам, куда он едет? Сказав, що в сторону Києва. Ви нічого не винувати. Ви поймите, що ж заставили. Да, я понимаю. Я понимаю. Ты его, потому что закончилось. Я единственное, что хочу, чтобы был мир, все. Да. Il n'y a plus les murs de la guerre froide, il n'y a plus le rideau de fer, mais il y a bien 2 blocs, 2 camps qui se font face entre Russie, OTAN, l'Ukraine entre les deux et la diplomatie pour seule solution. Nouvelle initiative aujourd'hui, celle de la Turquie qui accueillait les ministres des Affaires étrangères de Russie et d'Ukraine. Vladimir Poutine disait à Emmanuel Macron sa volonté de parvenir à ses fins par la négociation ou par la guerre. Ce matin, des pourparlers, un entretien, la volonté de poursuivre les discussions, mais rien de concluant. На другі страни ми нападати не плануємо. Ми на Україну не нападали. На Україні ми просто
объяснили многократно. We also raised the issue of a ceasefire, 24-hour ceasefire, to resolve the most pressing humanitarian issues. We did not make progress on this. Retour aux différentes zones de guerre. Brovary, ici, on est à l'est de Kiev. D'intenses combats ces dernières heures, des troupes russes conduites à une quinzaine de kilomètres de la capitale, encerclées. Ou encore la bataille annoncée d'Odessa, troisième ville du pays, assiégée, une porte vers l'Europe, mais aussi une porte entrouverte sur la mer Noire, ville en situation de blocus qui pourrait être bombardée très prochainement. Il y a une formation de navires militaires dans la mer Noire, de 9 à 11 navires. Nous avons miné les plages et déployé des points pour pouvoir repousser l'ennemi. Si Odessa tombe, c'est tout le sud du pays qui sera contrôlé par les Russes. C'est aussi un pôle économique majeur. Et sur la plage, on remplit des sacs de sable pour garnir les barricades des civils. On s'y habitue comme ces chanteurs de l'opéra qui se donnent du courage. Si les chanteurs de l'opéra préparent les barricades, les militaires défendent eux l'opéra de la ville, le bâtiment, ambiance veillée d'armes, la fanfare militaire ukrainienne qui joue devant ces barricades de sacs. Un conflit qui a franchi donc ces derniers jours un nouveau cran dans l'horreur et la violence, un drame humain, politique, humanitaire, a commenté Emmanuel Macron qui se dit inquiet et pessimiste. Ce qu'on vient de voir, ce qui se passe à Mariupol, Maryse Burgot, ce sont des crimes de guerre. Ah oui, là on a le bombardement d'une maternité, d'un endroit où sont des femmes enceintes, en train d'accoucher, des bébés. Je crois que là on a atteint un stade et c'est la stratégie de la terreur. C'est exactement ce que cherche à faire Vladimir Poutine, terroriser les gens au point de les obliger en masse à fuir et de, surtout de les décourager et de casser cette résistance qui est pour l'instant absolument hallucinante. Des civils pris pour cible, vous l'avez constaté à Kharkiv, ville sous les bombes depuis plusieurs jours, où une petite fille de 8 ans vous montre les dégâts provoqués par un missile tombé sur son immeuble. Ma fille dormait ici, dans ce lit. Et heureusement, le rideau qui était tiré l'a protégée des débris de verre. On a eu beaucoup de chance. Une enfant de 8 ans qui veut nous montrer sur le portable de son père les débris du projectile. On a dû dormir dans le métro. Il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient assis sur les escaliers. Nous, on est restés au même endroit parce qu'il y avait un petit chien très mignon. Je l'aimais bien. Et votre commentaire, Maryse Burgot, en Ukraine, les fillettes savent désormais ce qu'est la guerre. Ces enfants qui vivent sous le bruit des bombes, des alarmes, qui ont peur, ce n'est pas la première fois que vous y êtes confrontés, mais vous ne vous y habituez pas? Non, je crois qu'on ne s'y habitue pas. Je crois que Stéphane non plus, qui était avec moi. Dans les sous-sols de Kharkiv qui a été très très lourdement bombardé, où on a passé beaucoup de temps avec Stéphane et Yann Kadouch, le monteur avec qui on travaillait, j'ai vu des enfants vomir tellement ils avaient peur. Et des parents qui ne savent pas comment gérer la terreur de leurs enfants. Bon, alors on peut avoir fait toutes les guerres du monde. Moi, je regardais ça et je me disais, mais c'est la fin du monde ou quoi? C'est vraiment... C'est ce sentiment-là que vous aviez là. Oui. Je trouve que les enfants souffrant quand même, les adultes, bon, mais alors les enfants... Ouais. Et cette vie en sous-sol, en fait, parce que les gens organisaient leur vie en sous-sol pour se protéger. Donc il y avait une ville déserte, des rues désertes. Mmh. On attendait les prochaines frappes. Et cette vie qui s'organisait dans ces sous-sols blafards, dans le métro notamment. Vie que vous avez partagée, parce que vous avez dormi vous-même dans le sous-sol de votre hôtel. Vous avez filmé ces familles dans le métro, dans les parkings de leur résidence. En partageant les mêmes risques que cette population civile? Oui, alors on est un peu pareil tous les deux. On n'aime pas tellement parler des risques que nous prenons, parce que quand vous voyez ces civils et que vous voyez que nous, aujourd'hui, on est là à Paris, dans notre confort, bon, on ne va pas chouiner parce qu'on a dormi 3 jours dans un sous-sol. Nous, c'est quelques jours et eux, c'est leur vie. Ouais. Donc effectivement, on ne sait pas. Oui, et puis nous avons cette... On a une sorte de... On est là pour travailler, rapporter, ça vous porte. Eux, c'est la... Pour eux, c'est la fin du monde. Leur pays est en guerre, bombardé, leur immeuble est par terre.
Ils ne savent évidemment pas quand ça va s'arrêter, mais c'est indispensable que ces risques soient pris par des journalistes du monde entier pour être les témoins en première ligne de ce qui se passe là-bas en Ukraine. Ah oui, il ne faut pas déserter. Et ça, c'est essentiel que nous y soyons, sinon on ne saurait pas. Et puis cette guerre serait déjà sans doute perdue, parce que nous aidons, nous, la presse. La Russie veut terroriser et la population et les journalistes. Pour que tout le monde parte, et qu'on ne rende pas compte. Et je pense que notre travail permet aussi à la population d'organiser la résistance, de se sentir entourée parce qu'on est là. On l'a vu quand on est arrivé à Zaporijjia, la fameuse ville où la centrale nucléaire a été bombardée, et on nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Oui, vous n'êtes pas obligé d'être là. Oui, mais pourquoi vous venez là? Bon, on était les seuls journalistes occidentaux dans cette ville-là, pour le coup, et je lui dis, C'est vrai que des gens spontanément nous remerciaient. Alors évidemment, nous, c'est un peu gênant parce qu'on fait notre travail et on est plus à essayer d'avoir un regard empathique et on est là pour raconter leur vie. Mais c'est vrai que c'était assez saisissant de voir que ces gens-là étaient étonnés de notre présence et étaient plutôt reconnaissants. Exactement. Ouais. Avant même l'invasion russe, vous avez pressenti que ce conflit serait extrêmement violent. Vous étiez alors dans le Donbass, en guerre depuis 8 ans, dans les tranchées ukrainiennes, aux côtés du ministre ukrainien de l'Intérieur. Nous suivons toujours le ministre. Première frappe, elles surprennent la délégation, dont les militaires. Deuxième tir d'obus, à moins de 50 mètres du ministre. Il est plaqué au sol et protégé par ses gardes du corps. Il est ensuite exfiltré, alors que les obus tombent encore. Ces images, c'est à vous Stéphane qu'on les doit. À aucun moment vous ne coupez la caméra, mais on voit qu'elle est quasiment au sol, puisque vous rampez, j'imagine, pour pouvoir continuer. Voilà, c'est-à-dire que moi, dans des situations comme ça, déjà, ça va très très vite. Et il faut évidemment filmer, parce qu'en télévision, si on n'a pas d'image, on ne peut pas raconter. Donc moi, j'avoue que c'est un peu ma priorité. Et en même temps, il faut aussi que je me protège, tout simplement. Ce que je ne fais pas forcément très bien, parce que vous voyez qu'il se plaque carrément au sol. Moi, je ne le fais pas, parce que si je le fais, je perds du temps, mais je perds. Alors, l'image est un peu. Ça bouge un peu, forcément. Oui, il exagère, l'image. Mais, et surtout, ça nous a saisi. Moi, j'étais. Effectivement, je savais que le ministre était devant moi, donc je cours en même temps pour le rattraper et effectivement j'improvise. On est un peu schizophrène dans ces moments-là. Il faut à la fois filmer et en même temps se protéger aussi un minimum, tout simplement. C'est peut-être le moment qui vous a le plus marqué, Maryse Burgot, cette scène-là. Alors, c'est un moment un peu fondateur pour moi parce que le ministre de l'Intérieur bombardé comme ça par les Russes, je me suis dit ça va être d'une violence inouïe cette histoire parce qu'on est avant l'invasion. Vous imaginez notre ministre de l'Intérieur sous des obus de mortier. Enfin, bon, c'est ça qui s'est passé. Il venait de visiter une tranchée avec nous. C'était assez calme, plutôt confiant. On se battra contre les Russes. On sort et il est sous une pluie de bombardements. Je me suis dit, ça va être très, très violent. Et ça sera sans discernement. Et il voulait tuer le ministre de l'Intérieur. Tuer le ministre de l'Intérieur. Comme ils veulent d'ailleurs tuer le président actuel. Tuer. Non pas à 50 mètres près, il était mort. Ce qui est caractéristique de cette guerre, vous l'avez dit, c'est la mobilisation du peuple ukrainien, galvanisé par la résistance de leur président, des civils qui résistent et qui s'arment. Uniforme dépareillé et équipement rudimentaire, lui est patron d'une petite entreprise. Moi, j'ai mon fusil de chasse. Je peux atteindre une cible à 100 mètres. À ses côtés, ce jeune ingénieur agronome. Le jour où les Russes ont attaqué, on s'est organisé et on a monté ces barrages. On va arrêter ces saboteurs de Russes. Cet agriculteur nous montre les cocktails Molotov artisanaux qu'il vient de fabriquer. Tout sera bon pour lutter. Des hommes prêts à combattre à main nue, des femmes qui fabriquent des cocktails Molotov dans des écoles. C'est aussi impressionnant qu'inédit et émouvant. Vous n'aviez jamais vu ça? Oui, on était très émus. Ouais. Surtout dans cette école, non? Dans cette école, et puis surtout toute tranche d'âge, femmes et hommes. Et on sentait vraiment une volonté de s'élever pour défendre leur pays et puis de participer à l'effort de guerre, qui est quelque chose que des gens de ma génération, de notre génération, on a appris dans les livres d'histoire s'agissant de notre pays. Et ça nous renvoie à la Deuxième Guerre, voire la Première Guerre mondiale. Là, c'est des choses qu'ils vivent aujourd'hui. Et on a senti vraiment cet élan populaire pour essayer de se mobiliser, d'aider. On a vu des restaurateurs cuisiner pour les soldats, préparer des plateaux repas. Et là, effectivement, ces cocktails Molotov par dizaines. Avec des bouts de ficelle. Voilà.
dans une école. Et puis alors, cette directrice d'école était fascinante. Elle a monté une industrie du cocktail Molotov artisanal en 3 jours. 500, 800, 1500 cocktails Molotov fabriqués comme ça par jour. 5 lieux différents, une industrie. Elle est prof dans une... Enfin, elle est directrice d'école. Elle s'est transformée en guerrière. Et ça, vous le multipliez par 10 000, parce que c'est partout comme ça en Ukraine aujourd'hui. Donc, franchement, c'est quelque chose de c'est impressionnant à regarder. Et on se dit, ils n'y arriveront pas, les Russes, face à ça. D'autant que certains des soldats russes qui sont là, assez jeunes, ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ça, on vous l'a souvent dit. Alors nous, on n'a pas eu la chance de rencontrer des prisonniers russes, mais on a vu plein de témoignages. De jeunes gens, de jeunes prisonniers russes qui ne savaient pas pourquoi on les avait envoyés, qui ne savaient même pas qu'ils avaient franchi la frontière. Ils sont arrêtés, ils disent « Ah bon, je suis en Ukraine ?» Ils ne le savent pas. Oui, et les Ukrainiens les ont montré, ce qui normalement ne doit pas se faire et qui est interdit par les traités. Par la Convention, À tous les deux, avec ce que vous avez vu et ce que vous venez de nous dire, si d'un seul coup je vous dis bon écoutez, on ne va pas céder à la dictature de l'émotion, on ne va pas s'apitoyer tous les jours, vous allez avoir envie de m'en coller deux, et bien c'était ce matin sur CNews, Véronique Jacquier, chroniqueuse de la chaîne, notamment le dimanche matin, dans Enquête d'esprit, une émission consacrée à l'amour de Jésus. C'est évidemment d'une grande barbarie que de viser une maternité, mais je crains que tous les jours, on ait ce type d'information, parce que c'est la guerre. La guerre, c'est moche, c'est sale, c'est cruel, et on a des images comme ça qui mettent en relief cette abomination, mais on va s'émouvoir tous les jours. Enfin, je veux dire, cette guerre va sans doute être longue. Ça veut dire que dans 2 mois, il va peut-être y avoir des hôpitaux bombardés. Mais on sera les premiers à plus en parler parce qu'on sera passé à autre chose. Voilà. Donc, moi, je dis attention à la dictature de l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de juger de l'atrocité de ce genre d'information. Voilà, ça coupe un peu le souffle. Je dois dire que la société des rédacteurs de CNews a dit ses regrets, évidemment, de tels propos. Et au fond de moi, je suis convaincu que ceux qui ont confié l'émission religieuse à cette femme doivent être un peu emmerdés de ce qu'ils ont entendu. S'il y a des médecins et des stratèges de plateau, il y a aussi des mères la morale. Quelle réaction à ces propos, la dictature de l'émotion? Oui, et puis en plus, c'est tellement pas ce que la presse fait sur cette histoire-là, quoi. On informe le plus possible, le mieux possible, sans en rajouter. C'est même pas la peine d'en rajouter. Il suffit d'être factuel. Bah voilà. Donc, de la rigueur, de la distance, ouais. Et puis peut-être simplement un regard plus, distant, mais en même temps, on rapporte les faits, effectivement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. En fait, c'est de la sobriété qu'il faut sur ces terrains-là, et ce qu'on essaye de faire, en tout cas. On n'est pas du tout larmoyant. Enfin, non. Pas du tout. Évidemment, non. C'est très important, je crois, comme sur d'autres conflits, de montrer à quel point l'Ukraine a face à lui un système, incarné par Poutine, qui n'a aucun souci de la vie humaine, qui a un mépris absolu pour les gens, pour les peuples sur lesquels il déploie son théâtre, son champ de bataille et son théâtre d'opération. On l'a vu dans d'autres conflits, enfin on a rappelé ici le passé, et c'est important aussi de montrer ces choses-là et de montrer quelle est la machine de guerre qui n'est pas une guerre classique, qui est une sale guerre, on le dit souvent, qui se déploie aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a vu en Syrie déjà l'intervention de l'armée russe pour venir en soutien du régime de Bachar el-Assad. Et il y a un certain nombre de stratégies qui sont les mêmes. Donc on a bien vu ça. C'est un esprit... on aimerait tellement être dans la tête de Vladimir Poutine pour comprendre cet esprit déviant quand même. C'est ça la grande... on est sidéré, on est estomaqué parce que un homme peut faire, lui seul quand même. Vous parlez de cette sidération qui a saisi le monde occidental, qui pourtant était alerté par les États-Unis, et vous-même, sur place dans le Donbass, vous avez été sidéré que finalement cette guerre arrive. Mais c'est vrai, le matin où ça commence. Moi, je suis tellement dans le déni que je me dis non, j'entends quand même un truc au loin. Oui, on est réveillé en fait, on n'y croyait pas, et je pense qu'on a mis un peu de temps. On a vu les premières dépêches, et là, on a compris que voilà. Et
Les Américains nous ont écrit noir sur blanc, dit pendant des jours et des jours, ce sera monstrueux, ce sera énorme, ce sera sur toutes les villes. Eh bien, nous ne les avons pas cru. D'où, ma sidération, et ma sidération de voir la violence. Kharkiv, on connaît bien Kharkiv, on y a passé des jours. C'est une très belle ville, c'était sidérant de voir. Et le missile sur le QG de la défense territoriale qui a tout détruit en plein centre-ville. Sidération, en plus, elle était aussi partagée par les gens. On était à Kramatorsk, ouais. Donc le matin de l'offensive, et les premiers témoignages qu'on fait, on a des gens qui vont au travail. Ouais, exactement. Il y avait à la fois ceux qui faisaient les queues au guichet, dans les stations-service, immédiatement, en se disant il y aura des pénuries, et ceux qui allaient au boulot en disant, bon, bah, on verra bien, on a entendu ça à la radio, on y va quand même, bon, voilà, quoi. Ce que m'a impressionné, moi, c'est la vitesse à laquelle ils sont passés de la sidération à la résistance. C'est-à-dire en marche. Pour lutter, quoi. Ce système déviant, cette vie qui n'a aucune valeur pour Vladimir Poutine, on voit aussi dans la difficulté de couvrir ces terrains. Vous n'aimez pas qu'on parle des risques que vous prenez, mais c'est peut-être d'autant plus vrai sur ce conflit-là entre l'Ukraine et la Russie. Terrain de plus en plus difficile, on l'a vu il y a 5 jours, quand cette équipe de 4 journalistes britanniques de la chaîne d'info Sky News a été prise pour cible dans le nord-ouest de Kiev. Death Squad. Who are attacking civilians in their cars as they flee. They do exist, as we found out. Oh, what the f***? Journalist! Journalist! Journalista! Andre! Whoa! We are so caught with what we're going to do now. We have to try and get into some cover, but it's really, really dangerous here. C'est le journaliste Stuart Ramsey qu'on entend là parler. Il s'en est sorti avec une blessure par balle dans le bas du dos. Son caméraman a quant à lui été atteint par 2 balles, mais son gilet par balle l'a heureusement protégé. Et miraculé, lui aussi, le journaliste suisse Guillaume Briquet. Hier, il a été pris à partie par des commandants russes alors qu'il venait de passer un point de contrôle ukrainien sur une route dans le sud du pays. J'ai eu 4 tirs sur mon véhicule, 4 tirs au niveau de la tête. Il y avait des commandos russes qui étaient là, qui m'ont dépouillé, volé mon argent et menacé de me tuer. Et cela malgré les sigles presse apposés sur sa voiture, malgré son gilet pare-balles identifié comme presse. Et selon lui, sa vie, il la doit à sa carte de presse. J'ai été sauvé parce que ils m'ont checké dans mon téléphone des photos de presse passées à l'étranger et dans des zones de conflit. Si un journaliste français, un photographe français, un YouTuber sans carte de presse, il sera clairement considéré comme un espion et abattu sur place. Donc je mets en garde les journalistes qui ne sont pas professionnels dans les zones de guerre. Franchement, ils doivent quitter l'Ukraine et laisser les journalistes professionnels. 2000 journalistes dans une ville, ce n'est pas professionnel. Ils sont en danger de mort. Autre alerte lancée sur Twitter par une autre grande reporter indépendante qui interpelle. C'est terrifiant. Il y a actuellement des avions entiers de gosses qui s'improvisent reporters de guerre, sans formation, sans protection, sans conscience. Nous allons au-devant d'un désastre. En réaction, elle a même relayé une cagnotte pour apporter un soutien logistique à ces journalistes pigistes, des gilets pare-balles, des casques, tous les équipements les plus élémentaires. Mais l'équipement seul ne suffit pas, c'est ce qu'elle dit. On découvre que beaucoup de ceux qui sont sur place n'ont aucune notion de balistique ou ne savent même pas poser un garrot. Un pansement israélien, d'où l'inquiétude de Reporters sans frontières, qui écrit « Nous connaissons les méthodes du pouvoir russe, les journalistes en sont des cibles privilégiées ». Alors au total, il faut le dire, depuis le début de ce conflit, soit seulement depuis 2 semaines, 4 journalistes ont été blessés. Vous avez, vous aussi, constaté ces jeunes journalistes nombreux sur le terrain ? Alors, on n'en a pas vraiment vu, nous, parce que nous, on n'était pas à Kiev. Et je pense qu'ils se sont concentrés sur Kiev et ils sont prépositionnés sur Kiev. J'espère que je me trompe, mais je pense que la bataille de Kiev sera assez terrifiante. Mais c'est effectivement le problème, et c'est hélas toujours le problème sur ces conflits, notamment en s'agissant des photographes et des freelances, qui forcément n'ont pas... Nous, on est privilégiés à côté. Hein, on collabore à une rédaction qui a les moyens de nous fournir ces protections qu'on porte. Et vous êtes formés aussi, ça compte, ça? On est également formés. Et puis, on ne fait pas ça... Voilà, on a un peu l'habitude, on y
va au fur et à mesure et ça permet de bénéficier de l'expérience des anciens. Et de, voilà, donc franchement, nous, on est très privilégiés de ce point de vue-là par rapport à beaucoup de confrères. Et en même temps, on ne peut pas interdire à des confrères de vouloir faire leur travail et de documenter ce conflit. Merci beaucoup, Maryse Burgot, Stéphane Guillemont. On salue votre monteur, merci. Yann Cadouche, sans lequel, évidemment, vos reportages ne seraient pas montés ni transmis à la rédaction des journaux de France Télévisions. Andréï, votre fixeur, oui, en Ukraine, essentiel. Et puis je signale que ce soir sur France 2, Envoyé spécial, les compléments d'enquête seront intégralement consacrés à la guerre en Ukraine avec une interview exceptionnelle du maire de Kiev dans Envoyé spécial et un numéro de complément d'enquête consacré au président Zelensky. Merci, merci à tous les deux. Merci de nous avoir invités ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci. Depuis la fin de l'après-midi, Emmanuel Macron accueille les leaders européens au château de Versailles pour un sommet consacré à la guerre en Ukraine. Au cœur des discussions, la question de l'énergie, de la dépendance du continent au gaz russe. Il y a la question de savoir si la Russie va à un moment donné faire pression et utiliser l'arme du gaz. Le président Poutine s'est exprimé tout à l'heure pour dire que la Russie continuerait à fournir. Jusque quand, en fonction de quoi ? Nul ne sait. C'est ça une dépendance, une vulnérabilité. Et donc nous devons nous préparer à tous les scénarios. La stratégie que nous devons bâtir, et c'est la discussion que nous allons avoir ce soir, c'est pourquoi ce sommet est très important, c'est de savoir à quel rythme nous pouvons diminuer, réduire, puis supprimer cette vulnérabilité. Quels sont les voies et moyens de trouver d'autres fournisseurs à court terme et comment nous réorganiser. Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. Président de l'École d'économie de Paris, merci de votre présence. On parle longuement avec vous de toutes ces questions, mais d'abord, c'est l'édito de Patrick Cohen. Patrick, pour tenter de faire plier Poutine, Européens et Américains ont lancé la chasse aux oligarques russes. Voilà, ils sont maintenant 862 milliardaires ou dignitaires du régime inscrits sur la liste noire de l'Union européenne, mais il y a des noms ajoutés presque chaque jour. Interdits de séjour et interdits de profiter de leurs palais, appartements de luxe, yachts ou jets privés, hélas souvent camouflés derrière des prête-noms ou des sociétés écrans, ce qui fait que pour l'instant la pêche est assez maigre. Quelques méga-yachts saisis ou gelés en France et en Italie. La France, qui comme d'autres pays, a mis en place une task force de plusieurs dizaines de fonctionnaires du fisc, des douanes, du trésor pour traquer les biens russes et leurs propriétaires. Ces oligarques, c'est le premier cercle de Vladimir Poutine. Mais ils n'ont été ni consultés ni informés au préalable de l'invasion de l'Ukraine. On les voit tassés sur leurs chaises, écoutant leur maître dans cette immense salle du Kremlin où Poutine les a convoqués le 24 février, juste après ce fameux conseil de sécurité au même endroit. Ces hommes-là pèsent des centaines de milliards, mais le patron, c'est Poutine qui tente alors de les rassurer sur les sanctions à venir. Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи, настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя, в которой мы чувствуем себя частью. Vous avez vu leur tête, hein? Traduction de ce qu'a dit Poutine, soyez tranquille, ma guerre ne nuira pas à votre business. Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Alors soit Poutine a sous-estimé l'ampleur des réactions et des sanctions occidentales, soit il s'est foutu de la gueule de ses obligés. Absent ce soir-là, l'un des plus proches amis de Poutine. Gennady Timchenko, sixième fortune de Russie, 22 milliards de dollars, pétrole et gaz. Il vient de se faire piquer son yacht à San Remo, le Lena, 50 mètres, 50 millions d'euros. Alors il est très intéressant ce Timchenko, pas à cause de son yacht, mais parce qu'il est depuis des années l'un des moteurs des relations d'affaires entre la France et la Russie. François Fillon devait siéger avec lui au conseil d'administration de Cibourg. Pour avoir aidé le groupe Total à monter dans le capital d'une société gazière, Timchenko a reçu la Légion d'honneur en 2013 des mains de l'ambassadeur de France en Russie et il préside le conseil économique de la Chambre de commerce franco-russe aux côtés du PDG de Total, Patrick Pouyanné. Ils sont tous les deux coprésidents. À ce titre, Timchenko emmène chaque année des patrons français chez Poutine. La dernière fois, c'était par visioconférence en avril dernier. Вначале попрошу высказаться сопредседателя экономического совета Франко-Российской торгово-промышленной палаты, господин Тимченко. Пожалуйста, Геннадий Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность встретиться с представителями французского бизнеса. Vous voyez, il ne dit pas Monsieur le Président, hein, comme les autres. Il dit Vladimir Vladimirovitch, parce que les deux hommes se sont connus il y a plus de 30 ans à Saint-Pétersbourg, peut-être au KGB. On n'a jamais su. On a dit aussi qu'ils ont été associés en affaires, que la fortune de Timchenko a contribué à celle de Poutine.
et lycée de Versailles, et inversement. Bref, un proche parmi les proches qui fait l'objet de sanctions depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Il avait alors raconté sa vie de sanctionné, de proscrit, dans une interview à l'agence TASS, et c'est très intéressant de lire ça aujourd'hui. Il se disait à l'époque contraint de vivre en Russie et non plus à Genève où il était domicilié, craignant, je cite, une provocation des services secrets américains. Plus de téléphone mobile, on nous espionne. Plus de cartes Visa ou Mastercard remplacées par des cartes chinoises. Dans la vie, tout se paie, disait-il, même le fait d'être ami avec le président. Mais, ajoutait-il encore, le chantage est contre-productif. Les Occidentaux se trompent en espérant que le premier cercle puisse faire pression sur Poutine. C'est totalement exclu. Vladimir Vladimirovitch n'est mu que par les seuls intérêts de la Russie. Un point, c'est tout. Et il ne nous traverse même pas l'esprit de lui en parler. C'était après l'invasion de la Crimée. Même pas l'esprit de lui en parler. On serait curieux de lire aujourd'hui les pensées de ces milliardaires qui voient leur fortune se diluer dans le bain de sang ukrainien. Un bonus ? Oui, un petit bonus. C'est une conférence à venir que j'ai trouvée dans l'agenda de la Chambre de commerce franco-russe, la même co-présidée. C'est prévu le 16 mars. C'est intitulé « Opportunité d'investissement dans le nouveau contexte géopolitique ». Et juste en dessous, comment profiter de la crise à venir par des investissements, peut-être en Russie. Je ne sais pas si vous avez des idées, Daniel Cohen. En tout cas, les affaires continuent. Ouais. S'attaquer aux oligarques, on voit bien le symbole. Mais est-ce que c'est vraiment le moyen le plus direct d'attaquer le cœur de l'économie russe et de peser sur Vladimir Poutine et ses décisions politiques? C'est l'un des moyens. C'est l'un des moyens, puisque c'est en effet une espèce de garde prétorienne financière autour de Poutine. Et si leur fortune se dilapide, ne sont pas contents, et même s'ils ont peur de Poutine, tout de même, ça fait pression. Mais ça n'est qu'un des éléments. L'élément le plus important qui va dans cette idée, c'est tout de même les sanctions qui ont conduit à saisir une très grosse partie des réserves de la Banque centrale russe qui a provoqué l'effondrement du roux, qui a perdu presque 50% de sa valeur. Ça fait très mal pour l'économie, parce que ça veut dire que tout coûte deux fois plus cher, à supposer d'ailleurs qu'on arrive même à l'acheter. C'est quelque chose dans la question, est-ce que Poutine leur a menti ou est-ce qu'il s'est trompé? C'est sûrement une combinaison des deux, mais il s'est trompé aussi certainement sur la détermination des Européens à lui répondre, sans doute parce que d'ailleurs les Européens eux-mêmes ont été stupéfaits, envahis des devant l'héroïsme des Ukrainiens, c'était difficile de mégoter son soutien. Mais c'est-à-dire que s'attaquer aux réserves de la Banque centrale russe, il ne s'y attendait pas. Il ne pouvait pas s'y attendre dans cette forme-là, puisque même s'il a reconstitué ses réserves, il est sorti un peu du dollar, il y a quand même un tiers de ses réserves qui sont en euros, donc il ne pensait sans doute pas qu'on lui prendrait. Il y a quand même de mémoire autour de 15% qui restaient en dollars. En livres sterling, il y avait encore 7%. Et donc il a accumulé beaucoup de réserves, 600 milliards, mais il est sorti un peu du dollar parce qu'il se doutait bien qu'on allait l'enquiquiner avec ça. Mais si c'est pour aller en euros et en livres sterling, c'est sans doute parce qu'il ne pensait pas à une telle réaction européenne. Donc il lui reste des réserves en or, dans son sous-sol, mais qu'est-ce qu'il peut en faire? L'or ne permet pas de payer, sauf à le transporter. Ça veut dire qu'elle est au bord de la cessation de paiement, la Russie? On parle d'un risque de cessation de paiement, il lui reste des yuan, enfin pour terminer mon truc, il reste 15% de yuan qui lui permet de faire des transactions, mais de fait, son trésor de guerre, il l'a perdu dans la dimension liquide à 80%. Alors évidemment, on le reconstitue. Il y a la rente pétrolière. Parce qu'on continue de lui payer un milliard par jour à peu près. Donc il a perdu, vous voyez, 300, 400. On refait un milliard par jour. Donc ça se reconstitue. Mais quand même, par rapport au trésor de guerre qu'il avait constitué, c'est une crise. Et c'est ça qui explique l'effondrement du rouble aussi. Donc je pense que les conséquences économiques pour la Russie de ce qui est en train de se passer sont beaucoup plus considérables, on parle d'une récession de peut-être 10% cette année, beaucoup plus considérable que ce qu'il avait lui-même anticipé. Parmi la montée en puissance des sanctions économiques, l'ancien président de la République, François Hollande, a proposé que l'on arrête l'importation de gaz russe, une proposition qui a fait réagir de tous les bords politiques, aussi bien Marine Le Pen que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Ce moyen-là n'est pas le bon. Le moyen qui consiste à se faire harakiri pour blesser l'adversaire est un mauvais moyen. Nous risquons de faire mourir notre économie avant celle de la Russie. Décider cela brusquement, brutalement, globalement et définitivement, ce serait se punir soi-même.
ce serait se punir soi-même. Ah bah, si on coupe le gaz russe, donc pour nous, ça serait pas extraordinaire, hein, puisqu'on n'importe que 20% de notre gaz, et lequel gaz ne représente que 15% de notre production d'énergie. Mais si on va en Italie ou en Allemagne, le gaz en Italie, de mémoire encore, pardon, mais ça représente à peu près 40% de l'énergie totale, il y a la moitié qui vient de Russie. Donc pour l'Italie, c'est 20% de l'énergie qui tomberait, ce serait l'effondrement de l'économie italienne. Je pense que la bonne réponse est celle qu'on est en train de faire et qu'il encore va se retourner à terme contre Poutine, c'est-à-dire ne plus douter une seconde du fait qu'il faut sortir dans un an, dans deux ans, dans les mois qui viennent, de la dépendance par rapport à la Russie. Donc il le revendra à d'autres, son gaz. Mais ce sera compliqué. Il faut qu'il refasse des tuyaux s'il veut le vendre aux Chinois. Tout ça va créer un temps de latence. Donc il faut être résolu dans notre détermination à en sortir. Pas trop se raconter d'histoire sur la capacité de le faire, mais plus vite on ira en besogne, plus on pourra réduire et plus en réalité les effets de court moyen terme sur l'économie russe seront forts. Donc le simple fait de se réunir, d'envisager un avenir et d'être le plus actif possible, à commencer d'ailleurs par une forme de sobriété gazière, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut faire nous pour réduire cette dépendance. Toutes ces choses-là font partie une ambition énergétique que les Européens n'ont jamais eue. En fait, quand on pense à l'Allemagne, on se rend compte d'une certaine manière l'extraordinaire naïveté des gouvernements allemands qui se sont succédés, qui pensaient, en se mettant dans les mains gazières de Poutine, qu'il allait au fond les convaincre de leurs intentions pacifiques. Enfin, on ne pouvait pas faire une meilleure démonstration du refus de toute intention d'avoir une forme d'agressivité à l'égard de Poutine que de dépendre autant de lui pour le gaz, et il en a tiré la leçon exactement inverse, que c'était un signe de faiblesse et qu'il fallait qu'il agisse. Donc tout ça fait qu'on est en train de remettre en marche cette sortie de l'histoire qu'on pouvait tous souhaiter de plus avoir à penser à toutes ces histoires absurdes de guerres de frontières qui datent d'un autre siècle. Malheureusement, Poutine nous remet là-dedans, et parmi les effets paradoxaux auxquels il n'avait peut-être pas songé, on voit bien que l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale, est en train de se réarmer, ce qui est en gros le contraire de ce que lui-même pouvait souhaiter. Ce que suggérait François Hollande, qui était à votre place hier soir ici, même, c'est qu'il n'y ait pas de décision forcément d'un bloc de l'Europe, mais que les pays puissent décider unilatéralement, un par un. La France pourrait le faire, l'Espagne pourrait le faire, les pays les moins dépendants du gaz russe, notamment. Non, ce ne serait pas une bonne idée. Je ne sais pas, parce que le marché énergétique, comme vous savez, on paye un prix du énergétique qui est indexé sur le prix marginal de fourniture d'électricité à l'ensemble du système. Non, je crois qu'il faut vraiment raisonner en européen. Il y a besoin d'une... Enfin, je dis ça, je ne sais pas, peut-être dans le détail, il y a des choses à faire, mais je pense qu'il faut vraiment... L'Europe a montré qu'elle était à la hauteur de cette situation, je pense, même si on peut toujours espérer qu'elle fasse plus et qu'elle aille plus loin dans telle ou telle dimension. Il faut rester dans ce bloc, et on voit bien que c'est ça qui, collectivement, nous permet d'agir. On ne va pas tout seul aller faire ceci ou cela. Par contre, collectivement, décider enfin d'une politique énergétique, ce que, au fond, les écologistes demandent depuis si longtemps, que soient capables de réfléchir à nos approvisionnements énergétiques. Ce serait horrible de penser que par une espèce de retour de ruse de l'histoire, comme disait l'autre, ce soit à cause de cette guerre ou du fait de cette guerre qu'on accélère la transition vers des énergies renouvelables, qui sont, au bout du compte, la seule façon d'être indépendant. Mais voilà. Et donc, pendant ces à court et moyen terme, avec ces changements de stratégie énergétique, on peut penser que sur le plan hexagonal, en pleine période de campagne présidentielle, il y aura des effets sur les coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Est-ce que dans cette situation, promettre de ne pas augmenter les impôts, voire même de les baisser, comme le disent certains candidats, c'est un peu illusoire, non ? Bah, il faut voir que si on veut protéger les Français, et puis la question ensuite c'est comment le faire, de la hausse des coûts, c'est assez facile de voir combien ça coûte. Hein. En moyenne, un ménage français dépense... Enfin, je deviens un expert en énergie, je n'étais absolument pas comme l'année dernière, j'étais devenu un expert en épidémiologie, donc on est tous en train à chaque fois d'essayer de réviser les fiches. Mais enfin, en gros, si je comprends bien, un ménage français dépense environ 2 500 € par an pour son énergie. Si on est sur une hausse de 30%, ça fait 750 € pour ces ménages français. Donc si on voulait les dédommager de ça, 750 € fois, on va dire, 20 millions peut-être. On avait couvert 38 millions d'individus, donc en ménage, ça fait peut-être 20 millions, si vous me suivez, 20 millions fois 750, ça fait 15 milliards. Bon voilà, donc c'est ça les ordres de grandeur. D'ailleurs, je crois exactement auxquels le gouvernement songe. Il faut
sans doute mettre sur la table pour protéger encore des fois les ménages, pas tous, les plus vulnérables. Voilà les ordres de grandeur qui seraient nécessaires pour les protéger. Je pense qu'il faut le faire. Je crois qu'il faut le faire pour éviter quelque chose qui serait un emballement. On parle souvent du premier choc pétrolier. Le choc pétrolier a fait doubler l'inflation de 6 à 12%, pas du fait du choc à proprement parler, qui était lui-même de l'ordre de 2% d'inflation, mais parce qu'il y a une spirale prix-salaire, personne ne voulait payer, on s'est passé le mistigris, il y a une espèce d'explosion au bout du compte de la relation entre le coût de départ et l'inflation au final. Si on peut tempérer ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'augmentation de salaire là où c'est nécessaire, évidemment, mais si on peut éviter cette course-poursuite, c'est mieux. Et la façon de le faire, c'est en effet de désarmer un peu, dans la mesure du possible, cette facture. Mais il faut le faire de telle manière que ça ne désincite pas à faire des économies. Il ne faut surtout pas baisser les impôts, etc., comme c'est demandé. Il faut faire des chèques énergie aux ménages en fonction de leurs besoins, en sachant que tout ce qu'ils pourront faire pour faire des économies restera pour eux rentable, puisque ça ne remettra pas en cause le chèque qu'ils auront reçu. Je vous ramène à la campagne. Emmanuel Macron, qui propose de reporter l'âge de la retraite à 65 ans, processus progressif, bien sûr, mais qui fait déjà réagir les syndicats. On a interviewé Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, Seyban Raïs et Anaïs Ricouli qui l'ont fait. J'ai le sentiment qu'on essaye à nouveau d'utiliser l'élection présidentielle comme un pseudo-référendum pour ensuite nous dire « j'ai été élu sur ce programme, donc je l'applique ». Ce n'est pas acceptable parce que la plupart de ceux et celles qui vont voter pour des considérations très diverses qui n'ont pas à voir avec ce sujet particulier. Et nous avons bien l'intention, si c'était confirmé, maintenu, eh bien le moment venu de mobiliser les salariés pour empêcher ce recul de l'âge de la retraite, comme nous avons mobilisé et empêché le projet de système universel de retraite par points. Faut-il absolument repousser l'âge de départ à la retraite ? Ben, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de poser le problème, même si bon, le régime par points n'a pas été accepté par les syndicats, et sans doute parce qu'en réalité, ils voulaient faire plusieurs choses à la fois. Ils voulaient réduire les régimes spéciaux, remettre dans une seule marmite les fonctionnaires et le secteur privé. Bon, et je pense que c'est tout ça, les erreurs qui sont payées à la fin pour empêcher cette réforme. Mais l'idée de créer, disons, pour le seul secteur privé, déjà, pour ne pas confondre tous les problèmes, le seul secteur privé, un régime universel dans lequel les professions libérales, les salariés, etc., puissent se retrouver avec peut-être deux socles, un socle de base et puis un socle au-dessus qui ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà avec le régime Agirc-Arrco, qui est déjà par points, mais qui aurait été universalisé, qui aurait donné de la transparence, ça aurait eu le grand bénéfice, au fond, de laisser à chacun des degrés de liberté pour décider quand est-ce qu'on doit partir. Après que l'État vienne pour faire que les gens qui sont partis plus tôt, qui ont eu des malus, enfin des bonus en un certain sens, parce que leur profession était pénible et difficile, ça faisait partie d'une réflexion globale. La CFDT avait soutenu ce projet. Et puis comme à chaque fois, il y a la tentation d'en faire un peu trop, voilà, de dire, et c'est l'occasion de se débarrasser des régimes spéciaux, des cheminots, alors même qu'on avait déjà fait une réforme de leur statut en limitant les clauses qui les protègent aux anciens et pas aux nouveaux. Bon, on a voulu en faire beaucoup trop, on a perdu du temps et ce truc est tombé. Donc là, ça ressemble en effet de la part du président à la chose qui va enlever quelques points à Valérie Pécresse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être très grand politologue pour voir que c'est le genre de chose qui fait plaisir à l'électorat de droite, de dire il faut travailler plus, bon, sans aucune autre réflexion particulière sur pourquoi et comment et ce qu'on voudra. Donc, il voit bien que l'électorat de Pécresse abandonne Pécresse et il est en train d'enfoncer un clou dans ce qui reste du cercueil de cette malheureuse candidate pour l'instant. Enfin, je dis ça très, très méchamment, peut-être que les choses vont se changer, mais ça ressemble plus à une manœuvre politique. À une manière. Voilà, il avait même supprimé l'ISF au profit des filles. Il savait qu'il y avait des gens pour qui c'était très important. Il aurait fait un peu la même chose là. C'est dommage parce que le débat sur les retraites, c'est un débat de société trop important. Je rejoins un peu quand même ce que disait le syndicaliste Yves Verrier. C'est-à-dire, c'est un débat qui est très important. Est-ce qu'on veut travailler de telle et telle manière ? Bon, c'est un peu gâché. Vous restez avec nous. On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, la gestion de la SNCF épinglée dans un rapport. Oui, c'est un rapport très attendu sur l'état de la SNCF. Un an de travail, 320 pages rédigées par deux sénateurs. Un rapport qui dresse un constat sévère sur la qualité du service, la modernité des trains et les prix des billets. Avant de donner la parole aux experts, on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient des services proposés par la SNCF.
Pour moi, les prix sont trop élevés par rapport aux services qu'on nous propose. Comme j'ai dit, il y a beaucoup trop de retard d'annulation. Même là, pour prendre un billet, c'est vraiment compliqué, quoi. Je vais me chercher un billet. Les guichets sont fermés. Et pourquoi ? Il n'y a pas de mots, il n'y a rien du tout. Alors, je comprends pas. Côté train, oui, on est satisfait. Mais côté personnel, à la limite, ils ne sont pas compréhensifs, quoi. Je sais bien qu'ils ont fait des nouveaux trains. On a des nouveaux trains, on a des nouvelles lignes, on va avoir une belle gare. Mais bon, les billets sont chers. Dans ce rapport, on apprend que le modèle économique de la SNCF est trop coûteux et peu performant, que les infrastructures sont vieillissantes et mal financées. Un exemple, en Allemagne, l'âge moyen du réseau est de 17 ans. En France, 29 ans. On apprend aussi que la Belgique dispose de 6 tours de contrôle ultra modernes pour les trains. L'Allemagne, 18. Alors que la France conserve toujours ses 2200 postes d'aiguillage. Les deux sénateurs sont d'accord pour dire que les prix des billets de TGV sont trop chers et pas assez lisibles. Mais petite surprise, le responsable, ce n'est pas la SNCF, mais plutôt l'État qui ne finance pas assez notre réseau ferré. On a donc demandé à Hervé Maurey, le co-auteur du rapport, ses préconisations pour répondre à ces problèmes. Il faut que SNCF se mette en situation d'améliorer sa compétitivité, pour cela fasse les réformes qui sont nécessaires au sein de l'entreprise, qu'ensuite l'État mette les budgets qui sont nécessaires, et enfin qu'on remette à plat la relation entre la SNCF, l'État et les régions. Quand vous dites améliorer la compétitivité, faire les réformes nécessaires, en français ça veut dire supprimer des postes? Pas seulement, ça veut dire aussi une meilleure organisation du travail. Et ensuite, oui, on dit qu'il faut que SNCF réduise progressivement ses effectifs. Et on fixe un objectif qui est somme toute assez modéré puisqu'il est de 2% par an. Les deux sénateurs préconisent aussi de consacrer 3,8 milliards d'euros pour l'entretien du réseau et surtout investir 35 milliards d'euros dans de nouveaux outils pour répondre à l'urgence écologique et lutter face aux concurrents étrangers, mais aussi à celle du covoiturage qui grignote de plus en plus de parts de marché à la SNCF. Bref, selon eux, le système français va dans le mur, un constat que ne partage pas le syndicat Sudrail. Moi, si effectivement l'État investit entre 40 et 50 milliards, c'est ce qu'il préconise dans le ferroviaire, ben, moi je dis banco, bravo, j'applaudis dès demain. Mais sauf que ce n'est pas ça qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir, c'est la séparation de SNCF Réseau. On va encore découper, saucissonner le ferroviaire. On va retenir qu'à Trocheminot, on va encore baisser en termes d'effectifs, alors que ça fait des années qu'on n'arrête pas de baisser et qu'on arrête avec toutes ces conclusions un peu, ce SNCF bashing. Et on prend des vraies mesures. Oui. L'État doit investir beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Alors nous avons sollicité la SNCF qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Daniel Coel, qu'est-ce que ça vous inspire ce rapport et ces mots ? Bon, malheureusement, je l'ai pas lu, je le découvre avec vous. Il a l'air très, très intéressant. Moi, je mets juste un peu en garde vis-à-vis de toute logique comptable par rapport à la SNCF. On a vu avec les gilets jaunes à quel point des territoires pouvaient être brutalement isolés, perdus de tout quand on fermait une gare parce que le rapport qualité-prix n'y était pas. Donc, il y a un calcul économique à faire, il y a un calcul social, il y a un calcul sociétal. Il faut absolument comprendre que les réseaux ferrés, ça n'est pas simplement une logique d'optimisation, c'est aussi une manière de faire vivre des territoires. Et après, un maillage. Merci. Et que, non, mais c'est parfait. Et que si on va trop vite en besogne dans les calculs, alors après, on se prend des protestations comme celles qu'on a connues avec les gilets jaunes. En un mot, quand même aussi, le retour clientèle est bon à entendre aussi. Hein. C'est important qu'on puisse entendre le fait que les gens disent, bah, je ne sais pas quoi, c'est pas bien, machin. C'est important. Si on veut faire vivre un service public, il faut avoir effectivement un retour des usagers pour bien comprendre ce qu'il faut faire pour améliorer la prestation. Une info bonus du 5 sur 5 à vous soumettre. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Mathieu, de nouvelles émeutes l'année dernière en Corse. Oui, une semaine jour pour jour après l'agression d'Ivan Colonna, des affrontements entre les jeunes et la police, des manifestants s'étaient donné rendez-vous à Bastia, Calvi, Ajaccio, où le palais de justice a même connu un début d'incendie. Vous
Bonsoir Ariane Chemin, grand reporter au Monde. Vous connaissez bien la Corse, les affaires corses. Des manifestations se tenaient encore aujourd'hui. Il y a des appels à un grand rassemblement ce week-end. Un des plus grands que l'île ait connu, dit-on. Est-ce qu'il faut craindre que ça dégénère encore un peu plus? Ça dépend ce qui se passe d'ici dimanche. Mais c'est vrai que même la famille d'Ivan Colonna, Christine Colonna, sa sœur, qui est élue à l'Assemblée de Corse, a appelé à ne pas tenir cette manifestation. C'est dire si il y a des craintes que ça dégénère. Parce que ceux qui sont dans la rue, ce sont des gens très jeunes, des collégiens, des lycéens, qui d'ailleurs ne connaissaient pas Claude Erignac, qui n'était pas né au moment en 98. Et c'est intéressant de voir que, alors que le sort d'Ivan Colonna était un peu mis de côté par l'île, tout d'un coup, il revient sur le devant de la scène et Ivan Colonna est en train de devenir un martyr politique qu'il n'était pas avant. Ce ne sont pas que des jeunes indépendantistes. Il y a une base indépendantiste. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la première génération nationaliste, celle qui est née en 75 au moment de la guerre, qui aujourd'hui est assez âgée, elle vient dans les manifestations pour essayer de protéger la jeune génération. Ils font un peu une sorte de service d'ordre, comme s'il fallait essayer d'éviter que ça ne dégénère. Alors, Le Monde publie aujourd'hui cette tribune qu'on va voir de la présidente autonomiste de l'Assemblée de Corse. Elle demande de faire la lumière sur la tentative de meurtre dont a été victime Ivan Colonna. Elle dit notamment que plusieurs ministres de l'Intérieur sont restés sourds aux menaces dont des détenus corses feraient l'objet de la part d'islamistes radicaux. Ce sont ces mots. Est-ce que c'est une réalité? Il y a un sujet corse contre islamiste en prison? Il y en a un peu, on l'a vu d'ailleurs dans le film Le Prophète. En tout cas, c'est vrai que Gilles Simoni, qui est le président de l'exécutif corse, c'est-à-dire que le président de l'île, on pourrait dire, a plusieurs fois écrit, aussi bien à Matignon qu'au ministère de l'Intérieur, pour mettre en garde contre les menaces qui régnaient contre les détenus corses. Mais ce qui m'a frappé plutôt dans cette lettre de la présidente de région, qui est autonomiste, elle, qui est une amie d'enfance de Gilles Simoni, c'est qu'elle va très très loin. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas à ce qu'on fasse... à ce qu'on enlève le statut de détenu particulièrement signalé aux deux autres membres du commando Erignac, mais elle demande qu'on les libère. Et ça, c'est ce qu'ont décidé les lycéens hier, lors d'une assemblée générale à Corté, au centre de la Corse. Oui, alors il y avait un rassemblement de plusieurs mouvements nationalistes. Ils annoncent la création d'un collectif autour de trois revendications: justice et vérité pour Ivan, liberté pour les patriotes, reconnaissance du peuple corse. Alors, vu de l'extérieur, est-ce qu'Ivan Colonna... Pardon pour les mots, mais est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que tout ça, c'était une étincelle qui a fait partir quelque chose qui couvait déjà? Non, je pense que ce qui a beaucoup agacé la Corse, c'est que Ivan Colonna a été victime d'une tentative d'assassinat. Ce sont les mots du préfet, du nouveau préfet lui-même, et qu'il ne s'est rien passé. On n'a pas entendu le ministre de la Justice, et pour cause, il a été l'ancien avocat d'Ivan Colonna, donc c'est sans doute pour ça qu'il sautait. Aucune sanction. 7 minutes où des caméras de surveillance, on voit quelqu'un agresser quelqu'un d'autre. Sans que personne ne bouge, et c'est même l'agresseur qui va signaler que Ivan Colonna aurait fait un malaise. Il y a ça qui a beaucoup frappé. Il y a aussi le fait que, ça je l'ai compris en allant en Corse, des choses qui nous ont peut-être passé un petit peu inaperçues, c'est que les mots de Gérald Darmanin quand il est invité sur une radio matinale et qu'il dit « je pense à la famille de Ivan Colonna, mais je pense aussi à la famille de Claude Erignac », ce sont des choses qui n'ont pas du tout... C'est des choses qui... Les Corses se disent « on a été 30 000 à manifester en février 1998 quand le préfet Erignac a été assassiné. C'est vrai que c'était la plus grosse manifestation de l'île. Ils ont un peu l'impression qu'ils ne s'en sortiront jamais, qu'ils sont tous coupables et qu'à chaque fois, on leur ressort un peu les mêmes arguments. Et c'est ça qui a beaucoup agacé, je pense. Mmh. Que peut faire l'État en quelques secondes, Ariane Chemin? L'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Lever le statut de DPS de Pierre-Alexandre et d'Alain Ferrandi. Ce qui est intéressant, c'est que l'État n'a jamais voulu en faire des prisonniers politiques, c'est l'expression des nationalistes corses, mais en maintenant ce statut de DPS qui n'existe en personne d'autre, ils en ont fait des martyrs politiques. Merci beaucoup Ariane Chemin, grande reporter au Monde, d'être venue synthétiser cette situation en Corse. Merci beaucoup Daniel Cohen, président de l'École d'économie de Paris, d'être venu ce soir. Dans un instant, Jane Birkin, Joël Dicker, L'œil de Pierre et les actualités de Bertrand. À tout de suite, on vous entend.